Tu viens de, 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 de voir dans la cuve, avec ce liquide marron, noirâtre, flotter cette espèce de corps euh, euh, en décomposition, ce, ce corps totalement inhumain. Comment réagis-tu Je suis d'un baba yaga. C'est pas être humain. Je, je, je m'en vais d'ici, je reste pas ici. Je vais te demander de me faire un petit test de. Euh, alors, c'est bien. Là. Il, y a, il y a un système de peur et de panique dans ce jeu, hein, vous le savez. Hein. On l'imagine bien. Ouais, vous l'imaginez bien. Donc, euh, on va on va voir ça tout de suite. Quand qu'est-ce qui se passe quand tu gagnes du stress Alors, tu, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes du stress hein, euh, où tu fais un test de panique. Tu fais un test de panique quand tu rencontres un étrange ou horrifiant alien pour la première fois. Alors déjà, je vais te faire gagner deux points de stress avec euh, cette, ben, cette découverte. pas déjà le cas. Je pense qu'en arrivant là, j'avais gagné des points de stress puis j'avais déjà fait un jet contre la euh, contre, euh, contre, contre chose. Ouais, ouais, mais t'avais pas, pas, pas encore découvert le... le comment s'appelle... eu cette, cette, cette vision d'horreur. OK. Donc, euh, je vais te donner deux nouveaux points de stress et je vais te demander de me faire un test de panique. Je suis maintenant à 5 points de stress Est-ce que ça fait avec ton, ton calcul ça, ça devrait être bon. Vas-y. Okay. Et je clique sur Fear. Euh. J'ai pas d'avantages et avantages Non. Ok. Et je roll. Attends, attends, c'est pas ça, ça le test de. Hein euh, pas de le fear, le jeu, Alors, jeu de... sur ta oui. fiche, oui, on va sur ta fiche, clac. Oui. Tu as, euh, tu as, euh, c'est un jeu de sanité C'est un jeu de stress. Stress. Tu cliques, ah, okay. voilà. Excuse-moi, je, tu... suis... Excuse -moi, je pensais que. Il n'y a pas de je un jeu de peur. Désolé, mon erreur. Succès 16. Et c'est un succès. Donc, en cas de succès. Euh, tu, euh, tu diminues, tu ne paniques pas et tu euh, retires un stress oui euh, mais quand même je ne risque pas le coup que je ne pars pas en courant comme un cave euh, surtout que tu es, je... tu, es, tu, es, tu es en grosse combinaison là. n'oublie pas, c'est oui. pas très pratique euh... non, et puis il n'y a pas de il euh, n'y euh, a pas de, 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 de gravité donc, euh, tu avances lourdement te tenant comme tu peux. Euh, y a... la, la combinaison permet de générer une espèce de pseudo-gravité, mais tu vois, tu es... T es, t es très bas -lourd, en fait hein, dans... dans ta combinaison. Absolument. Alors, je me déplace euh, euh, comme un astronaute le fait normalement, euh, comme, comme j'ai l'habitude de faire, euh, mais euh, de façon quand même assez. Euh, je suis un petit peu stressé. T'sais. Non, non, je ne reste pas ici. Alors, je me déplace, je m'en vais vers l'enfractuosité, je vais la traverser, puis après ça, je vais me retourner au oh, 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 ça je vais retourner dans la station, puis je vais dire au capitaine. Non, ben, avant, ça va être. Mais ben là, faut rapport. Oui. Que... J'ai entendu une exclamation. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Chilovitch. C'est Monstre. C'est une créature pas humaine. C'est mort, ça, ça, ça semble mort, dans du, dans du liquide euh, mauve. Il, il y d'autres, euh, il y en a d'autres euh, dans d'autres états de décomposition. Celui-là, il, 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 il est à peu près complet. Je n'ai vraiment pas envie de le voir, de savoir s'il va bouger. Je, je, je m'en vais, je m'en vais, je m'en reviens. Avez-vous été en contact avec ces créatures niette niette non. Mais là, vous êtes certain. J'ai pas touché à rien. J'ai vu, j'ai pas touché. Et je m'en vais là. À part le mur, j'ai touché à rien. Le mur que j'ai pris pour m'en venir. Et vous voyez maintenant sur la caméra que je, je suis retourné dans l'infractuosité, puis ouais. je m'éloigne doucement du. Euh... Donc tu, Voyons, tu, tu passes l'infractuosité. La... Quand on dit l'infractuosité, n'oublie pas qu'elle avait été largement. Euh... Euh, ouverte en fait hein, elle avait été taillée pour permettre un, un passage de, de quelqu'un en combinaison comme toi donc ça veut dire le trou est maintenant rendu 2 mètres là, ou euh, pardon ou il est bien de 1 mètre de large euh, suffisamment pour que tu puisses avancer euh, tranquillement en fait et bon c'est bon fait que je m'en retourne Nadim, avant de revenir ce serait intéressant de poser la caméra euh... De manière à ce que nous puissions garder un œil sur cette créature ou sur ce lieu, voir s'il y a euh, de l'activité lorsqu'on n'est pas là. Je vous recommande de retourner mettre la caméra à sa place. La caméra fait partie du casque. Ah! <laughs> bah, laisse le casque là-bas, c'est pas grave. Non, <laughs> <laughs> bah oui! Contrairement à toi, moi j'ai besoin d'air pour respirer. <laughs> Il faudrait quand même garder. Euh un minimum de surveillance sur cette zone. Pouvez-vous vérifier avant de partir s'il y a des euh, contrôles autres que l'électricité qui a été amenée par le professeur Est-ce qu'il y a de, des inscriptions ou des choses que vous pourriez ramener, que nous pourrions analyser Je m'arrête, je me retourne, je regarde. Qu'est-ce que tu... Donc tu retournes dans la... La, la... Je me retourne de bord oui. et je regarde euh, là où est-ce que le, le scientifique avait mis euh, probablement des, des items, Il doit avoir une sorte de table ou quelque chose, non euh, Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus Alors tu te diriges vers euh, vers la table en, en, en question. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu y trouves dessus Bye. Quelque chose me dit qu'il doit premièrement avoir un, tu... un genre de truc à flow spot. Alors, ce que tu ce que tu vois dessus, c'est tu as un, un petit ordinateur scientifique, okay. un, tu as un scanner qui okay. euh, tu, un scanner qui est qui est branché en fait euh, avec des, des, des câbles et des, des espèces de ventouses, enfin des, des trucs qui sont qui sont euh, collés aux, aux divers aux divers pods, tu vois. Euh, et qui, euh, qui a priori analyse, enfin plutôt connecté au pod où il y a encore du liquide jaune. Et, oui. euh, et tu vois que le scanner en fait analyse le, le comportement, enfin tu vois qu'il y, y a des données qui, euh, qui défilent. Bon, difficile de comprendre vraiment, là, à froid, c'est de, de la donnée brute, tu vois. Euh, que dire d'autre hum, il euh, y a un. Euh, un euh, à peu près tout. Manifestement, il avait laissé son, euh, juste cet équipement minimum-là euh, avant, euh, avant de repartir. Ok, bon, donc il n'y a pas de caméra. Non, il n'y a euh, pas de caméra. L'appareil, le, le senseur, est-ce que c'est un modèle dans lequel, que on, je ne sais pas, moi, je pourrais activer le Wi-Fi dessus Ou bien d'abord, euh, c'est le modèle plutôt qu'il y a une carte de données que je pourrais récupérer pour euh, amener le data Oh, c'est plutôt carte de données. Parce que là, là tu, es, euh, tu, tu, tu es profondément dans, dans la mine, quelque part, tu vois. Et euh, euh, même la discussion, les discussions que tu as avec les autres, tu vois, elles sont un petit peu euh, crachotantes. Euh, donc, euh, les, 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 la transmission de données pourrait se faire mal, ça risquerait d'aller corrompre. Ok, bon, ben, je vais prendre la carte de données qui est dans, qu dans cette machine-là. Puis. Euh... Désolé contrôle, pas de caméra, je, 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 vois, je vois rien. Si, 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 si vous voulez caméra ici, il va falloir en amener une. Et j'ai pas tellement envie de revenir. Désolé, mais tu es déjà en combinaison et déjà sur place. Je vais probablement mettre à l'entrée une coupe d'équipement de surveillance à distance, probablement une caméra avec un câble qu'il va falloir déployer jusque là-bas. Tu es déjà la personne la... la mieux placée pour le faire. Je sais que c'est beaucoup de te demander, mais j'ai confiance en toi. S'il te plaît, Vadim. Dermo... Trépidia, on y va, j'arrive. J'ai pris carte donnée de trucs de censeur... connecté à... Euh, le, le, le bassin jaune. Euh, vous regarderez ça vous-même, hein. euh, moi je comprends rien mais de ce qui est marqué là-dessus. J'arrive, j'arrive, je suis sur un chemin. Ouais. Très bien, Vatou. Euh. Alors tu, tu, tu commences à te déplacer, tu, tu passes l'infractuosité euh, et, et tu arrives en fait dans la partie de la mine euh, qui, euh, qui, qui est plus éclairée. Euh, et, et là, ton, ton regard est attiré euh, au sol, sur, un petit peu sur le côté. Hein, par, euh, euh, par par une espèce de de, de, de petite forme hein, au sol qui semble qui semble un petit peu réfléchir la la, la luminosité. Oui, ma lampe de poche voit ça. Qu'est-ce que c'est? Lorsque tu passes ta lampe de poche dessus, tu réalises en fait qu'il s'agit de deux. Jambes. En fait, deux jambes de combinaison avec des jambes dedans qui ont été coupées, déchiquetées. Elles sont là, elles, elles, sont, elles reposent sur le côté. Et c'est là que tu réalises que. Mais où est Ashram Ashram Réponds-moi Pas de réponse. Ashram Contrôle, vous, vo vous voir ce que je vois? Il euh, y a des interférences, qu'est-ce que... décris-nous! Décris-nous tout ce qu'on voit, c'est euh, ouais, une motif de jaune. Combinaison. Jambes de combinaison avec... jambes dedans. Euh, pas sûr c'est qui, mais il y avait que moi et Ashram ici. Et Ashram répond par radio. Ashram au rapport! C'est le Capitaine mort Ashram au rapport! Pas de réponse. J'ai mon fusil laser dans les mains. Ben, je sais que c'est pas un vrai fusil, c'est plus un outil. Mais bon. Oui, c'est ton la cutter laser, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je prends ça dans mes mains. Euh, ok. Pas d'aspirée. Prends mon arme. Retrait, vous... Non, vous vous retraitez vers la. Vers ici. Je, je coupe, le... Je coupe les, les, le micro et je regarde. Euh... Capitaine. S il y a de l'autre côté de cette porte quelque chose qui tue nos hommes, je ne serais enclin à ne plus ouvrir la porte à, à afin que nous puissions... Euh, mais qui éliminer... nous avions déjà eu cette conversation, et nous avions déjà établi qu'il qu n'y avait rien, rien nous prouvait que cette chose n'était pas déjà, euh, que cette contamination n'était pas déjà à l'intérieur des murs. Peut-être, mais pour l'instant, nous sommes sûrs qu'il y a une bête dangereuse de l'autre côté du mur. Parce que là, ce que nous allons faire, c'est nous allons amorcer un protocole de, de décontamination qu'on qu avait préalablement mis en place. On n'a rien de prêt pour une telle chose. Je te Bien recommande je de ne vous... pas ouvrir la porte. Gagner du temps. Gagner du temps avec lui. Gagner du temps. À monter la décontamination et gagner un peu de temps. Parfait. J'aimerais aller visiter le vaisseau du scientifique, voir s'il a d'autres informations notées ou s'il si, euh, avait euh, d'autres rapports à l'intérieur, des choses que n'auraient pas trouvées euh, mes collègues du fait de leur euh, inexpérience euh, scientifique. Mm. Vadim, tu te rajoutes un point de stress au fait euh, suite à ta découverte. Commandant. Autorisation d'aller fouiller le vaisseau du géologue? Je. Négatif. Restez avec, Restez avec moi ici. Assurez-vous que la décontamination soit faite. Nous avons déjà un homme sur place. Ce n'est pas un scientifique. Des... Pour monter la... les... les bras de notre homme seront bien meilleurs pour monter la décontamination. Et moi, je serai bien plus efficace à chercher des informations dans les journaux du, euh, scient... du géologue. Azaki, vous avez cinq minutes. Merci, capitaine. Je vais dire, euh, je vais dire à, notre, à, 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 à Engel de, de revenir par ici. Donc, je me dirige vers le vaisseau du géologue en, en textant Engel euh, pour lui dire Engel, euh, euh, retourne à l'entrée pour, pour aller aider euh, à, à la mise en place du euh, sas de décontamination. Attention, il y a possiblement. Euh, une entité dangereuse capable de nous tuer de l'autre bord de la porte. Il faut le, euh, absolument éviter d'ouvrir cette porte tant qu'on n'a pas mis une vraie décontamination et une vraie sécurité en place. D'accord. Je m'en vais, vais rejoindre, les capitaines. Très bien, Angel. Donc, toi, tu, euh, tu, tu repars avec. Euh, tu étais avec Sonia, c'est ça Exact. Donc, tu repars avec. Elle, elle est, euh, elle est choquée par ce qu'elle a vu, hein. Oh, euh, Sonia, suivez-moi. Oui, on va oui, rester oui. groupé. Mais qu'est-ce qu qui se passe vous avez, vous avez reçu un. J'ai pas trop bien compris ce, que, euh, ce, qui, ce qui se passe. Pourquoi vous êtes pressé tout à coup Le capitaine mort a besoin de, de nous euh, au SAS de, pour aller à la mine. Donc, euh, Mais on, on, laisse, on, on laisse tout ça là je, je ne comprends euh, pas. Masaki s'en vient euh, vérifier. Euh, de son œil euh, plus expert que nous euh, pour trouver euh, des données, pour voir qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui est arrivé à ce géologue, qu'est-ce qui est arrivé à cette base aussi. Bon, Donc, très puis, euh, bien. Je... On, on, on passe au McPay, aller chercher euh, mon arme et euh, on s'en va à la porte de sécurité avec euh, le capitaine. Je vous suis. Je crois que ton arme, tu l'avais déjà prise. Hein. Il me semble que tu l'avais déjà prise, ton arme. Ouais, un SMG, tu l'as utilisé pour tirer. Non, c'est l'arme de. Disant, oh, ben, oui, je voulais pleurer avec moi. Oui, je l'ai avec moi. ouais tu, tu, tu l'as, là, tu, là, ta, ta grosse pétoire. Ah, c'est bon. <laughs> Bien. Donc, Angel, toi, avec Sonia, vous euh, vous dirigez vers euh, l'entrée de la mine. Exact. Euh, ben bah, écoute, on va, on va un petit peu se tourner vers euh, vers Masaki. Vous le croisez, tiens, vous le croisez dans le workspace, euh, Masaki. Je vous, sans m'arrêter, je vais leur donner un truc. Je vous recommande de mettre en place toute une série de caméras câblées afin d'établir une surveillance de l'intérieur au cas où il arriverait quelque chose à un de nos hommes. Et juste en leur disant ça, je prends ça puis je repars en courant vers vers le vaisseau du géologue sans m'arrêter. Sonia, est-ce que vous avez du matériel, caméra, câble, trépied euh, Oui, oui, on a, on a on a ce genre de choses effectivement. Je et, vous suis. Et elle, elle, tu sais, elle va farfouiller dans, dans dans le workspace, dans une partie un peu un peu doc, tu vois, où il y a des, des caisses hein, qui sont qui sont entreposées. Elle elle fouille quelques minutes et elle en, elle en ressort effectivement une une vieille caméra, une caméra que tu branches en fait okay. avec un, un fil et, et son trépied. C'est bon, j'ai un battery pack pour l'alimentation. Ou euh, oui, oui au sas ben, tu la branches la caméra ok donc euh, direction le sas très bien donc tu arrives tu arrives au sas et, euh, et donc tu te retrouves devant euh, devant euh, il y a Lamar au sas mais il y a aussi euh, Rosa qui est présente euh, et euh, Dana vous a rejoint euh, Maintenant, euh, les autres, euh, vous savez pas où ils sont. Beloff, Beloff, ici le capitaine. Au rapport, où, où en êtes-vous Parlez-moi, Off, qu'est-ce qui se passe Merde. off. Je vais être là. Mais vous foutiez. Toujours pas de nouvelles de Ashraf de Non. Euh, maître de jeu? Euh, oui, le... tout à fait. Moi, j'avais euh, mon senseur avec euh, le, 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 les, les, la, mon, ma position puis aussi la seule de la position de Hashram. Est-ce que je suis... Euh, est-ce que j'ai encore cette ce, ce position-là? Là, ou est-ce que, genre, le, le celui de Hashram a disparu? La position d'ashram a complètement disparu. Bon, comme j'ai dit tantôt, je, je suis en direction du sas, là. Vous en êtes où? Vous, vous, vous êtes à combien de minutes d'ici? J'arrive, je vois le SAS. Préparez-vous, nous allons amorcer euh, la décontamination de votre équipement et de vous-même. Donc, il y aura quelques minutes de délai. Affirmatif. Je switch l'autre canal. Masaki, vous avez trois minutes, il vous reste trois minutes. Alors, urgez-vous. Masaki, tu arrives jusqu'au euh, jusqu'au vaisseau euh, de. Euh, du docteur euh, Giovanni. Alors attends, je crois que c'est celui-là. Hop, voilà. Tu arrives jusqu'au vaisseau, tu, euh, tu, tu, tu vois que donc, le, le sas est, est ouvert. Il avait, été, il avait été forcé. Tout à fait. Tu, tu pénètres dans celui-ci, hein, où rends tu euh, je, La plupart des vaisseaux sont quand même faits relativement de manière similaire. Donc, je vais me diriger vers euh, ce qui pourrait être la zone euh, de travail, le laboratoire du vaisseau, pour voir. Euh... Ben justement, tu, tu trouves ça, tu trouves la porte ouverte et euh, c'est allumé euh, à l'intérieur. Et là, tu vois le, le cadavre du docteur Giovanni, euh, qui, euh, ben en fait, le cadavre, ce qu'il en reste, parce qu'en fait. Il, euh, il semble s'être euh, presque complètement décomposé. Et euh, au lieu de sang, euh, c'est euh, ce liquide jaunâtre qui, qui, qui est répandu autour de lui, comme s'il se transformait en ce liquide, en fait. fait. Euh, donc, moi, là, euh, j'ai euh, toujours sur moi ma Hazard Suit. Je vais juste la mettre en mode euh, je, plus. Je, je vais quand même te demander de me faire un. Un, euh, un test de de, de, peur. de peur donc c'est un saving throw un jet de sauvegarde de peur donc ouais je clique sur fear c'est ça exactement toi tu es bon là dedans parfait un robot hein? Ouais, mais bon, c'est <laughs> la, la robotique. Euh, vous avez ah oui, ah, est vachement développée, donc euh, vous pouvez être affecté par certaines choses ou certaines logiques. J'ai des sentiments. Je ne suis pas juste un robot. <laughs> je ne suis pas un oui. numéro. Je suis un robot libre. Voilà. Bien. Donc euh, je, ça, ça m'a pas stressé, mais je vais quand même faire en sorte que euh, ma combinaison soit en mode un maximum étanche pour éviter d'être. Euh, Contaminé une fois que je l'aurai enlevé, puis d'être porteur de contamination. Donc, toi, actuellement, tu portes euh, comme combinaison, euh, tu, portes, tu portes quoi déjà Ma Hazard Suit. Ok, très bien. Donc, une euh, Hazard Suit, outre le fait qu'elle te donne euh, plus 5 de, de sauvegarde d'armure, euh, mmh. euh, tu as un filtre d'air euh, qui peut euh, te permettre de respirer pendant euh, au moins une une heure mais toi tu étais un robot donc euh, enfin remarque est-ce que est-ce que est-ce que il est y a des parties euh, plus ou moins organiques dans un cyborg enfin dans un un an comme toi je sais pas on déterminera ça un de ces jours <laughs> c'est ça en tout cas ça te protège contre le l'extrême les, les chaleurs extrêmes et le froid extrême euh... Et euh, tu as une, une lampe, une lampe de, de tête, et euh, des, des communications courtes, courte portée. Euh, voilà. Donc ça, j'ai juste mis en place le filtre d'air, de, de, et euh, je, euh, je me suis, euh, je me suis approché. Ce que je vais faire, c'est que je toucherai pas au cadavre. Euh, je suis pas en mode faire des prélèvements ou autre. Je, je considère que je n'ai pas le temps pour le moment. Par contre, je vais essayer d'accéder euh, à l'ordinateur du, euh, du savant pour voir quelles sont euh, ses informations. D'abord, pourquoi il était là Comment ça se fait qu'il était là, qu'il cherchait ça Puis, quel est le rapport qu'il a fait sur ce qu'il a trouvé Très bien. Donc, tu essayes de, de pénétrer, en fait, dans, dans, dans l'ordinateur, finalement. Exactement. Euh, pour en savoir plus. Alors, ça va être un test de. Euh, computers, c'est éventuellement hacking si tu l'as. Euh, non, j'ai Computers ou Mathématiques. Ben, computers, et ça va se faire à, donc à plus. C'est un Computers, donc c'est avec euh, l'intelligence, hein, je, je crois. Et euh, Intellect, et normalement tu bénéficies d'un bonus de plus 10 grâce à. Ouh Ouh Oh, tu viens de faire 10 sur 55, bravo <laughs> Tu arrives, ouais. tu arrives à, à hacker son ordinateur, mais ça, ça, va te prendre, ça va te prendre un, un petit moment, mais vu, vu ton succès, plus vite, que, plus vite que prévu. Donc, le temps que, que tu fasses ça, je me retourne vers, vers Vadim. Vadim, tu as atteint, le, euh, tu as atteint le, la porte du SAS qui, qui mène vers, vers la mine. La porte est ouverte ou fermée euh, La porte est ouverte. Alors, euh, ben, j'observe d'abord voir si euh, genre il y a quelque chose euh, contaminant ou whatever là, tu sais, ou si ils ont commencé leur décontamination. Bref, j'observe d'abord le sas avant de rentrer, puis j'observe autour de moi après ça euh, avant de reculer dans le sas, tu sais. Très bien. Tu observes alors. Il y a toujours la combinaison de Mike. Elle est, elle, elle est où Vous l'aviez emportée avec vous et elle se trouve, euh, eh bien, euh, dans le sas. Non, elle n'était pas dans le sas. On l'avait mis hors du sas. Hors du sas? Dans un endroit. Dans un endroit. On avait, on avait patenté une espèce de coin spécial parce qu'on voulait faire une, une tente d'oxygène là-dedans. Là. Ouais, vous n'aviez pas encore rentré quoi que ce soit comme matériel, si je ne m'abuse. Non, mais il est censé avoir une tente d'oxygène. Oui. Déjà, mais... alors, alors, on, a, on a été chercher ça, puis Ashram était censé être en train d'installer ça, cette tente d'oxygène là, pour mettre ce, 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 cette combinaison là-dedans pour, pour créer un, un endroit safe pour, où est-ce que Masaki pourra pour faire ses, ses tests. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à date, vous n'avez pas encore ouvert le sas entre l'intérieur de la station et euh, la mine. Mais comment ils sont passés dans ce cas-là, si on si ne on l'a pas ouvert non, non, vous ne comprenez ils pas. Ils sont sortis. Ça... Là, ils sont rentrés dedans, mais on, depuis qu'ils qu sont Ah ouais, dedans, ok, on l'a refermé. On a et puis on a... Voilà, parce que justement, vous vouliez éviter toute, euh, toute, euh, toute contamination. Mais bon, bref, Vadim. Ok, la combinaison se trouve donc dans l'ami, dans le couloir, qui est juste à côté du, du sas ouvert. Oui. Eh, tu... toujours là, ok. Ouais. Tu observes autour de toi. Oui. Tout est calme. Et on va mettre... Même... Okay. C'est pas... C'est plutôt celui-là. Voilà. Tout est calme. Il n'y a okay. pas de... Rien de particulier. OK. Tu, tu, tu observes. Rien rien ne bouge. OK. Il n'y a rien dans le sas de bizarre. Tu observes bien dans le sas. Non. Tu, tu vois à travers les hublots, derrière, le, euh, le, le, le visage de... Euh, de Sonia qui, qui regarde dans ta direction, elle a les yeux, euh, les yeux assez, euh, plutôt apeurés. Oh ouais, euh, moi aussi. <laughs> fait que je rentre dans le sas puis je ferme la porte derrière moi. Toujours en, en vigilance, voir s'il n'y a pas quelque chose qui va sauter dans ma direction euh, pendant, que je suis, pendant que la, la porte du, du sas se ferme. La porte euh, du sas commence à se fermer et puis à un moment, euh, vois, elle, euh, elle, elle, elle se bloque. Encore. Quelques secondes. Euh, Chacun coup de pied dedans. <laughs> ah, elle, elle repart. repart elle, elle, repart. Elle se referme. Ok. Tu es dans le sas. Ok. Jette euh, dans le sas. Angel, ouais, pardon. Euh, Angel, tu as rejoint Lamar. Captain. Ah, oh, Angel. Euh, Dites-moi, Angel, Et là, je me penche vers lui puis je mets la main sur mon micro. Euh, Avez-vous, est-ce euh... que vous avez fait ce que vérifier ce que je vous ai demandé, est-ce que, est-ce que le Magpie est prêt, à... est prêt à décoller Est-ce que tout est en place Si nous avons besoin de fuir euh, rapidement. Oui, oui, Captain. Euh, tout est prêt. Euh, il reste à désengager pour ouvert... puis ouvrir la porte puis on est prêt à dé... ah, s'en aller. Excellent. Vadim... Vadim, nous avons un, un petit retard dans la décontamination, euh, Mazaki, Masaki... tu... tu... Euh, tu dois être vraiment pas loin de nous, j'espère? Commandant? Basculer euh... sur le... basculer sur le canal sécurisé, s'il vous plaît. Merde... Mazaki, okay, qu'est-ce qui se passe là Pourquoi n'êtes-vous pas ici Pourquoi, a... Pourquoi est-ce qu'on décontamine pas ce Vadim à, à l'instant Je viens de voir les notes euh, du professeur. Nous n'avons aucun moyen de décontaminer Vadim. Il est probablement déjà porteur malgré sa combinaison. Et euh, nous n'avons euh, aucun moyen de le décontaminer pour le moment. Il... Toutes les notes du professeur ont l'air d'affirmer que tous les produits, euh, protocoles qu'il a essayés euh, sont négatifs. Il n'a pas, euh, pas réussi à procéder à la décontamination. Avons-nous euh... du... Avons un moyen de détection Comment, Comment être sûr de... Est-ce que nous... nous condamnons un homme sain ou... Je Merde, ne... Masaki, aidez-moi à prendre cette décision. -ce que... Commandant, la décision pour le moment, si elle revient à l'officier scientifique et médecin. Du magpie, la porte de la mine doit rester scellée. Ok, écoutez-moi bien, Masaki. Cherchez dans vos protocoles, ramenez vos fesses ici et trouvez-moi un moyen de sortir de cette. Euh, je, cette euh, je. Je vais. Euh, terminer, en... Masaki. Je dois passer par le Magpie pour vérifier une série d'informations avec euh, mon ordinateur. Je passe au Magpie et je vous reviens. Ouais... Mazaki, faites vite. Je... Reçu, reçu capitaine. Mazaki Oui Donc, tu as réussi à, à pénétrer l'ordinateur du docteur Giovanni et tu en sais un petit peu plus sur sa mission. Manifestement, il a été initialement envoyé ici parce que euh, il s'y trouverait dans cet astéroïde un métal particulièrement rare qui s'appelle le NM109. À la base, c'est pas pour ça qu'il y a cette mine dans cet astéroïde. Sauf que euh, parmi les chargements récents qui ont, qui ont été récupérés, euh, les analyses faites sur, sur le minerai ont démontré qu'il y avait des traces de ce, de, de ce métal. Et donc il a été envoyé pour essayer de découvrir s'il y avait un filon de ce métal très particulier. Et le NM109, on le connaît d'où, de quoi, de comment Qu'est-ce qu'on connaît de ses propriétés Alors là, je vais te demander un, un test d'intellect. Et voyons voir. Ce qui pourrait être intéressant, peut-être géologie, ça pourrait être pas mal. Si tu ouais as. mais je l'ai pas. Non. Donc euh, bah, ça sera euh, ça sera juste, euh, juste intellect. In intellect. Ouh, mais tu es en pleine forme ce soir. Eh, j'ai ouvert mes, euh, mes talents de cyborg. Android en fait exactement. Alors, ce que tu sais de ce métal, c'est que euh, il a été très, très, très rarement euh, trouvé. et surtout, c'est un métal qu'on n'arrive pas à créer euh, de par nous-mêmes. Ok, de plus, il aurait certaines euh, propriétés particulières certains chercheurs auraient découvert qu'il aurait certaines résonances euh, et euh, ils sont toujours en train d'essayer de, de de le travailler ce ne serait pas que du métal quelque part ou disons que il y aurait des hypothèses comme quoi euh, c'est un métal euh, qui serait qui serait pas de nos mondes qui viendrait okay. d'ailleurs. Ok. Parfait. Donc, euh, tout en pensant à ça, bien sûr, je me dirigeais à, à pas rapide vers le Magpie. Tout à fait, après avoir découvert, euh, découvert tout ça. La formation ça. est faite, effectivement. Donc, une fois que tu arrives au Magpie. Ok. Donc. Euh... La... La, la, la première chose que je vais faire c'est que euh, j'ai euh, senti la peur grandir dans mes camarades mais j'en suis encore moi au protocole d'isolation de la base et euh, je sais qu'on a fait un trou dans le vaisseau du euh, du géologue pour ouvrir la porte oui tout Par à contre, fait je sais, je sais que le magpie est encore pilotable donc je vais bon, pirater oui. le bac je vais pirater le magpie. Pour être le seul à avoir l'accès aux commandes de pilotage du Magpie. Alors, ça va être un test de, de computer, de hacking, si tu as. Ouais, non, computer. Je dirais avec intellect. Et puis, comme je connais quand même bien mon Magpie, je me donnerai l'avantage. <laughs> oui, vas-y. Ouh, c'est réussi. Ouais. Ok, tu arrives à à, à, à t'assigner euh, tous les tous les privilèges administrateurs euh, du magpie Effectivement. Et est-ce que tu Et... retires est-ce que tu retires des privilèges aux autres ou juste tu t'assignes à toi des super privilèges Non, en fait, euh, les, euh, les, le seul privilège que je laisse aux autres, c'est la possibilité de se mettre en cryostase. Tout le reste des permissions sont retirées, ils ne peuvent plus rien faire. C'est une brique pour eux. Très bien. N'oublie pas qu'en créostase, il y a Jérôme actuellement. Oh, je sais. C'est pas grave. S'il y en a qui veulent, sur eux, qui veulent vivre et qui veulent se donner une chance, je leur laisse une chance. Je les, je les condamne pas à mort. Peut-être. Peut-être pas. Parfait. Tu sais que tu vas être recyclé en, <laughs> en grille pain hein, après cette mission. Mais c'est parce que tu le sais même pas, commandant. C'est pas moi ouais. qui fais ça. C'est je... <laughs> un novice. avec mon nom marqué dessus. <laughs> c'est moi qui va servir. <laughs> Vous ne saurez pas? Moi j'aurais découvert ça comme ça. C'est écrit dans le log, hein? T'as pas accès au log. Enfin, il, a plus, accès il a plus accès mais au log. Moi j'ai accès au log. Ah mais attends là, il doit non. avoir un pro... doit... C'est sûr qu'il y a un protocole de secours C'est oh, pour que le capitaine piraté. là. Commande code clavier. Je... C'est tout piraté pour ça. Eh, hey, il le... fait un 9, les gars. Le protocole de secours, c'est ctrl sup. On redémarre. Check on des ah, oui. balles dégâts, chose. Check mobile. J'ai fait un 9, hein. Alors vous n'avez plus aucune solution. Ah, on verra bien. Donc, Mais, toujours est-il, mon ah, cher Mazaki, que donc tu, tu repars. Quand j'ai fait ça, oui? je, repars, je repars et puis j'ai fait. Euh... Commandant, canal sécurisé, s'il vous plaît. Pourquoi n'êtes-vous pas encore ici Qu'est-ce qui se passe, Mazaki Qu'avez-vous fait Je viens d'aller. Au... Je, je viens d'essayer d'interroger de, de, l'autre ordinateur. Euh, sur le Magpie. Euh, tous les privilèges m'ont été, reti été retirés. Je ne suis plus capable d'accéder de, euh, de de, de, à rien sur le Magpie. Il semble avoir été saboté. Qui et comment Je n'ai pas accès au log pour pouvoir vérifier. Tous mes protocoles d'urgence, de sécurité, rien n'a fonctionné. Je vais, euh, je vais essayer avec mon code, mon code prioritaire. Reçu. Je suis euh, en direction du, euh, euh, du, euh, euh, du SAS euh, avec euh, un système de décontamination. Je vais proposer une solution pour euh, temporiser euh, Vadim. On va le, lui donner euh, des produits pour essayer de, de désinfection courant, même si nous savons qu'ils sont inefficaces. Et euh, je vais. Euh, on va le, le faire s'installer dans le sas pour pas qu'il sorte. Le temps qu'on remplisse le sas, il va falloir qu'il retourne dans la mine. Il ne faut pas qu'il soit en contact avec nous. Bon, maintenant, libérez, la, libérez les ondes, Mazaki, et ramenez votre cul mécanique ici tout de suite. En route, capitaine. Mazaki Oui. Tu es parti du dock. Euh, donc, du, du dock. Tu, tu mmh? passes dans le workspace. Et là, tu, en, tu entends une espèce de cri étouffé, euh, féminin, euh, d'une un, partie, euh, pas de la, la partie principale, le chemin principal par lequel tu vas passer, mais plutôt, plutôt de côté. Euh, tu entends une espèce de, 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 de cri féminin euh, étouffé, une espèce d'exclamation. Ex, euh, que fais-tu Y a quelqu'un Est-ce que tout va bien <laughs> Venez m'aider, venez m'aider, il va mal, il va mal! C'est la voix de Dana. Ok, je. Alerte. Euh... Alerte dans le lieu de repos, urgence, réclame personnel dans le lieu de repos, urgence. Et euh, je me dirige vers la voix de Dana. Tu diriges vers la voix de Dana? Euh, Mazaki, ici, vous n'êtes pas armé, euh, Mazaki, ici! Engels, tu t'en occupes. Je réponds pas, j'avance doucement pour voir. J'avance doucement, le, la, la lampe bien allumée, je, je marche pas à pas en essayant de la chercher du regard. Euh, alors le, je... le workspace est allumé, hein, rassure-toi. Okay. Euh, cela dit, alors tu, à un moment tu, 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 passes un, tu, tu passes un coin en fait, hein, et là tu, tu, tu tombes sur, euh, euh, sur euh, Dana qui est, euh, elle est elle est à genoux euh, elle euh, elle tient Kantaro euh, dans ses bras et, et tu vois Kantaro euh, qui euh, qui semble pris de euh, de de, de soubresauts euh, et euh, il a une espèce de décume blanchâtre qui lui sort euh, qui lui sort de la euh, de la bouche comme s'il faisait une espèce de crise d'épilepsie Écartez-vous, il est peut-être contagieux. Non 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 je, je vous en prie faites quelque chose vous êtes médecin euh, ma faites en, quelque chose je, je suis en tenue de je suis en tenue euh, de protection je vais être capable de faire quelque chose reculez ne restez pas à portée de lui Non je ne vais pas le laisser ainsi aidez-moi on peut bien faire quelque chose là maintenant Dès que vous aurez dès que vous serez éloigné de lui je pourrai faire quelque chose Je ne vais pas le laisser Je sors mon bâton, parce que j'ai un Boston bâton. Veuillez euh, obéir aux ordres et vous écarter que je puisse administrer les traitements à votre collègue. Elle te regarde, elle, elle a ses yeux qui, euh, qui, qui s'agrandissent de stupeur face à, ce que, face à, à, ta, à ton comportement euh, euh, un, ferme et, euh, et, et limite agressif. Euh, et, euh, et ne lui faites pas de mal. Vous êtes un scientifique, vous êtes un médecin, vous êtes là pour, pour le soigner. Je pourrais le soigner dès que vous vous serez écarté. Je ne veux pas le laisser. Tu vois que le, 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 la crise de Kantaro de, de euh, euh, s'intensifie. Il a vraiment le corps qui bouge dans tous les sens. Il, il produit des espèces de, de, de babillements euh, euh, chaotiques. Je m'approche doucement, euh, doucement d'elle, tranquillement là, euh, pour pas vouloir l'effrayer. Et puis je lui réponds je vais m'occuper de, je vais m'occuper de lui. Éloignez-vous simplement. D'accord, d'accord. Je, 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 vous fais confiance. Et au moment où elle, où elle se lève. Tu as, tu as Kantaro qui est pris d'une espèce de, 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 de cri. Il se, euh, si se tord sur lui-même. Et euh, alors que son, son, son corps retombe, euh, il, il, il éructe euh, une espèce de vomi, de, de, de crachat jaunâtre qui vient. Euh, alors, tu, tu peux me faire un test de, de, de speed pour l'éviter, si tu veux. Ouais, mais, euh... et mais, et puis... euh, mais. Mais Dana se retrouve avec, euh, avec le liquide sur elle, tu vois. Elle, 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 a, elle a un, un, un visage de, de, de dégoût. Enfin, le dégoût se dessine sur son okay. visage. Euh... Ok. Ben, euh, je vais être plus stratégique que ça. Du fait que je suis en combinaison avec mon masque respiratoire et, et tout, je ne vais pas craindre la contamination par le produit. Par contre, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais donner un coup de bâton. Adana, Dana, d'un coup de bâton assommant, parce que je veux qu'elle soit assommée, puis je veux que, comme ça, elle, sera, elle va rester calme. Ok, tu donnes ton coup de bâton, euh, au moment où elle, où elle commence à pousser une espèce de, de, de cri, ça l'a. Euh, ça, 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 ça c'est un bâton euh, avec un choc électrique, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Ok, elle prend le choc électrique, tu la vois se figer, se, se paralyser, et elle tombe, elle tombe sur le côté en étant prise de sous brosseau. Et euh, tandis que euh, euh, Kantaro, euh, quant à lui, euh, son, son corps euh, euh, arrête, arrête de bouger et tu, tu vois son, euh, son, son visage qui se, qui se tourne dans, dans, dans ta direction et il, il commence à, à essayer de se redresser. Même chose, un grand coup de bâton. Euh, cette fois-ci, je vais te demander de me faire un test de combat. Euh, si je clique sur stun bâton, ça va marcher euh, je pense que oui. Ok, avec euh, pour ça c'est bon. Et on va faire roll. Ah. ah échec critique. Oups. Ouh ça c'est bien. Donc tu envoies le bâton pour du... de quoi Oui. Tu envoies ça le bâton pour du... essayer de le euh, de, 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 de... Euh, mon cher euh, Lamar, on dit pas électrocuté, on dit. électrisé. Électrisé, merci. Euh, donc tu vois le, le bâton pour, euh, pour électriser Kantaro. Euh, et celui-ci, en fait, se révèle, euh, sur le coup, euh, euh, beaucoup plus agile que tu, que tu ne pouvais l'imaginer. Il se, il se jette sur toi. Tu vois qu'il a l'air d'être complètement en rage. Et euh, il commence à, à, à te prendre la, la combinaison, à tirer dans tous les sens. Euh, et ça, ça ouvre, en fait, la combinaison au niveau de, au niveau de ton visage. Et euh, tu, 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 tu vois qu'il y a du liquide qui sort de sa bouche. Euh, tu sais, une espèce de bave jaunâtre qui te tombe sur, sur le visage tandis qu'il te tient, tu vois. Et il a la bouche ouverte, les yeux complètement fous. Ah Je elle... vois tout à fait. Et Angel, toi, euh, ben, tu arrives dans le coin à ce moment-là. Que fais-tu À mieux que je vois que Cantarou, euh, qu'il dit prend Mazaki, n'abat plus l'autre, ben, je, je, tire sur Kentaro. Euh, en cas d'échec, il y a un risque de, 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 de toucher Mazaki. Attention, hein, parce qu'ils sont, ils sont l'un sur l'autre là. Ok. Parfait. Eh bien, euh, eh bien, vas-y, fais-moi ton test de, de tir. C'est combat avec, euh, avec ton arme. Combat. Donc, je combat. Quand... Je paye sur combat. Et j'apprends. Oh, oui. Donc, succès, je roule mon, euh, mon arme. Allô Je pense que si tu, tu avais cliqué sur ton arme, ça faisait tout ce qu'il faut, tu sais, les dégâts, tout. Euh... OK. Vas-y, ti tire ton arme. On va, on va garder ton, ton jet de combat. Oh, ben... Bah... Hein? Failure, 76. OK. OK. Donc voilà, tu as fait 28 de dégâts. en dessous, normalement. De quoi Oui, c'est Failure 76, la target c'était 57. Ouais, mais bon, avant il avait fait son test de combat, qu'il a réussi. Ok, donc... Donc tu réussis à lui tirer dessus, tu lui fais 28 de dégâts. Tu vois, tes balles qui le traversent, il est propulsé sur le côté, il va s'écraser contre des caisses qui, euh, qui, qui s'écroule à droite et à gauche euh, Mazaki tu, tu as vu donc Kantaro être éjecté d'au-dessus de, de toi euh, tu as plein de ce liquide sur les yeux, sur le visage de, de, sur ta combinaison que fais-tu ok euh... est-ce que j'ai Masaki, Mazaki tense-toi je, je, je recule et je fais euh, commandant vous pouvez ouvrir la porte à Vadim la contamination est déjà des deux côtés de la station. Euh, je recommande que, euh, au vu de, 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 de peu d'informations que j'ai, qu'on aille tous se mettre dans les douches avec de l'eau bien chaude euh, pour faire un test de réaction du liquide jaune à l'eau. Mazaki, activez le protocole de Jensen tout de suite. Vous êtes relevé. Et le protocole de Jensen, de Jensen dit, dans le fond, que lorsque l'officier euh, robotique de bord euh, euh, devient hors de contrôle ou a un système corrompu ou n'exécute plus les ordres, il transfère ses données directement dans, dans le vaisseau. Et là, je fais, commandant, vous avez euh, relevé mes bridges la dernière fois. Cet ordre, ne... ordre ne sera pas exécuté. Engel, abattez tout de suite Mazaki. D'accord, commandant. Engel, je suis le seul qui peut encore nous sauver. Dites toujours, Kamada. Kantaro, Kantaro se redresse. Kantaro se redresse. Et euh, il se jette encore sur toi, Masaki. Parfait. Euh, je vais, euh, vais utiliser la force de Kantaro pour le projeter vers. Euh... Euh, vers un. Euh, euh, probablement vers Engel parce qu'il tient une arme et puis qu'il a quand même eu des ordres de m'abattre. Et euh, je vais juste essayer de. Tu sais, comme. Un peu comme une prise de judo, tu sais. Je l'attrape, euh, il se fonce sur moi, puis j'essaye de dérouter sa force pour le projeter ailleurs. Dans ce cas-là, vers Engel. Ok, fais-moi un test de force pour ça. Ah, malheureusement, il se, euh, il se, jette sur toi. Tu essayes de faire ton opération et vous vous retrouvez encore tous les deux au sol. Euh, lui sur toi, il, il est, euh, euh, tu, tu vois qu'il est blessé, mais de ses blessures, c'est pas du sang qui coule, c'est ce liquide jaune. Euh, et, euh, et, et tu vois qu'il met ses mains autour de ton cou et il commence à serrer. Moi, Engel, si vous voulez pas mourir, si vous voulez pas me finir comme lui, aidez-moi. Ah. J'achète sur uh, Cantaro. Ok, fais-moi un test de, de tir, alors tu vas directement sur ton SMG pour tirer cette fois-ci. À... Et c'est un échec. Alors, je vais, demand... je vais te demander de me faire un test d'armure, mon cher, euh, euh, mon cher oui. Masaki. Alors. Euh... C'est le jeu ouais, de sauvegarde. Ouais, c'est ça, je suis en train de le chercher. Ah oui, Armor Hey. Oh. Ah, c'est échoué. Donc tu te prends... Ouais mais il y a une gueule sur moi là, ça devrait me, ça devrait <laughs> me donner un avantage supplémentaire. Tu te, prends, tu te prends 14 points de dégâts et en plus tu prends un point de stress. Euh, 14 points de dégâts. Angle, j'ai dit de m'aider, pas de m'abattre. Et... Tu bouges trop. Et à ce moment là, on a Kantaro qui essaye aussi de te... Euh, de te de te faire du mal en fait hein, c'est clair hein. euh, donc euh, toc 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 je crois que je m'étais fait où oh, est-ce que je l'avais j'en avais fait moi je vais dire ah, à voilà. Vadim pendant ce temps-là je vais dire Vadim 25. Vadim vous êtes sûr vous n'avez pas été contaminé j'ai pas touché à rien capitaine je vous ouvre la porte allez Capitaine, en premier Reprise stratégique dans la Magpie. Affirmatif. Ouh Eh bien, euh, Kantaro réussit à te... Euh, à, à percer ta défense, Masaki, Je vais te demander de, de me faire un test de... Euh, ça va être quoi Ça va être... Euh, tuk, 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 un test d'armure. Mais je ne l'ai pas vu retirer moi, pourquoi De quoi Non, c'est Kantaro, il est sur toi là, il est en train de te. Ah, pardon, ah, c'est. Serrer... J'ai compris Angel, excuse-moi. J'ai de... pas juste moi qui était sur toi là. <rire> <rire> ok, tu, tu échoues ton test, ton test d'armure, tu prends un point, de, un point de stress et tu vas prendre des, des dégâts. Alors en termes de weapon, j'avais oublié de lui en mettre une. Euh, ouais, Là voilà, t'as dit qu'il m'étranglait. Hein, donc... Oui, oui, tout à fait. Donc, euh... toc, 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 toc. On, on... Ouais. Écoute, on va dire que ça va être un D6. Allez, voilà. On va dire que ça va être un D6. Ah, ouais. c'est toi qui l'a lancé. Ouais, lancé un point. Tu prends un point de dégâts. Il est en train de, 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 de serrer au niveau de ton cou. Ok. okay. Euh, Mazaki, que fais-tu D'abord, je lance un Engel, aidez-moi. Et, euh, et puis, j'essaie quand même de me défendre. Donc, euh, j'ai toujours mon, euh, mon bâton qui doit être euh, dans ma main. Donc, euh, je vais lui refiler un coup de bâton. Critical success. J'espère juste que le liquide jaune n'est pas inflammable. Oui, oh, j'étais mute. <laughs> euh, donc je disais, oui, tu as réussis, réussite critique, hein, tu, euh, tu arrives à l'électriser, euh, son corps, se, 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 se fige en se tordant euh, dans, une, euh, dans une position arquée, tandis que l'électricité euh, lui, lui passe dedans et il tombe sur le côté euh, et, euh, et, 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 et arrête de bouger. Angel, comment tu réagis je, me, je mets en jeu mazaki Mazaki recule, reste dans cette pièce là, pourquoi tu dis qu'on ne peut pas sortir si, si tu es mort J'ai pas dit que, si, pas dit ah, que je ne pouvais pas. J'ai dit, dit que vous allez mourir si, vous, si tu me tues, je suis le seul officier scientifique et médecin. Je suis la seule personne qui peut analyser et trouver l'antivirus de ce truc là. J'ai un ordre du capitaine. Donc je, dans ces cas-là, à partir du moment où il me dit donc, moi je cours là, j'essaye de m'enfuir et je veux partir vers les douches. Je le tire. Ok, donc on, je... on va opposer un test de, de combat euh, de Angel à un test de euh, speed. Un test, ouais. Allez-y. Oh. Ok. Je fail de euh, ouais. 8, Tu fail de cinq, de 30, hein Masaki, tu as les euh, les impacts qui, euh, qui 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 frappent tout autour de toi. Tu as euh, divers objets qui se font euh, réduire en miettes par les euh, les tirs d'Angel, tandis que tu tu tu, tu virevoltes euh, dans euh, le workspace jusqu'à atteindre les, euh, les, les quartiers d'habitation. Okay. Angel, que fais-tu toi? Je, je le poursuis. Ok, super. Euh, Lamar, toi tu entends les, euh, les tirs. C'est clair que ça résonne dans, dans la station. Écoute moi, j'ai donné... Euh, j'ai dit ce que j'avais à dire. Pendant tout ce temps-là, moi je suis en train de courir vers le, le Magpie. Euh, j'ai accroché, je pense, c'est quoi C'est Sonia qui était à côté de moi, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Bon, je, je l'accroche et, la, et, et, et je cours à tout... Depuis le début, en oui. fait, de tout ça, moi, j'avais dit à Vadim d'enlever de, sa combinaison et d'entrer. Euh, et je, je cours à, à jambe déployée vers le Magpie depuis le début de l'altercation. La, donc, je dois pas être très loin, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, euh, donc, tu, euh, donc, tu as ouvert la, la porte d'accès pour Vadim, pour qu'il puisse rentrer, c'est ça Ok, donc toi tu cours vers le la mare, tu cours vers le... vers le magpie. Je me tourne vers Vadim. Vadim, enfin la porte est ouverte. Que fais-tu J'entre. Évidemment, j'ouvre je, 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 mon casque, je l'enlève pas. Puis bug off là, genre. Hey, Qu'est-ce qui se passe On s'en va où là Magpie, Vadim, tout de suite. Alors. Over. Vadim, tu. Euh... Donc toi tu es. Euh... Dans la zone entrée entrée de la mine. Uh -huh. euh, avec toi se trouve euh, se trouve Rosa. Ouais, tiens, on va faire ça. Hop là, voilà. Rosa et et, 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 et j'avais dit qui tout à l'heure. Euh, euh, bah tiens, Morgan. Tiens, c'est très bien. Hop. At stage. Hop. Je vais les mettre. Voilà. Rosa et Morgan. OK. <coughs> Donc, tu, euh, tu, tu es toujours dans, 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 ta, dans ta combinaison spatiale. Hein. Euh, oui, c'est tu, tu la pe... mienne, tu viens du vaisseau. Là. Ouais, tu, as peine, tu, as, tu as ouvert donc ton, ton casque et euh, euh, n'oublie pas que tu es, tu es super lourd, euh, parce que là, il y a une, une gravité normale qui, euh, qui t'attend. Euh, oui. Donc, c'est un petit peu au ralenti que tu avances. Oui. Euh, et donc, ton objectif, c'est quoi et puis, là, il m'a dit d'aller au McPay. Je m'en vais au MacPay. Ça prendra le temps que ça prendra. Donc, tu, euh, tu, 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 tu commences à te à diriger vers le MacPay. À ce moment-là, tu as euh, Morgan qui, euh, euh, qui, qui, qui s'interpose devant toi et qui te dit euh, « Qu'est-ce qui se passe euh, Où est Ashram Qu'est-ce qui se passe ici J'ai entendu des coups de feu. Je » Je regarde Morgan et je lui dis… Euh, je mémoire. La créature l'a tué. Avec... Dans ma face, clairement, j'ai... I've seen that turn you white. J'ai vu des choses qui m'ont marqué, là. Tu sais? Ok. À ce moment-là, vous entendez Rosa pester, euh, qui dit « Mais putain de porte qui, euh, qui se ferme pas! Euh, » C'est la porte qui mène vers... Euh, vers l'intérieur, cette fois-ci. Euh, elle elle s'approche du, 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 du de, de la porte ouverte, tu vois, et à ce moment-là, Morgan et toi, vous la voyez littéralement décoller du sol, euh, comme si euh, les, les, les bras plaqués le long de son corps. Euh, elle, elle pousse un hurlement, vous voyez, que, comme si elle était paralysée, prise dans une étreinte par une force invisible, et soudain. Vous voyez la moitié, de son, euh, de, la moitié de son corps, la tête et le haut du torse disparaître. Vous entendez un croak, Tandis que quelque chose, euh, certainement, le broie. Et euh, vous avez l'autre partie du corps qui tombe au sol et le sang qui se, qui, se euh, qui se répand par terre. Tu vas me le faire... Sens, est faire. Il se répand aussi sur quelque chose d'autre. Euh, il se répand par terre. Tu te sens bien rouge, hein, rassure-toi. Euh... Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment il y a une créature qui est là, puis qu'il y a du sang qui gicle partout, il y en a peut-être sur elle. Oui. Mais avant toute chose, tu vas me faire un test de, un test de peur. Oui, avec joueur. Et tu vas le me faire avec. Alors, non. Déjà, tu, tu. Oui. Tu me fais un test de peur. Euh, oui. Ça, c'est pour voir si, si tu, euh, si tu te prends un point de stress, même deux points de stress. Hein. Oh oui. Donc, deux points de stress. Et euh, yeah. je vais t'inviter à me faire un autre test de, de panique. D'accord. Euh, je clique sur stress, hein, c'est ça C'est ça. Avantages, Ni euh, l'un ni l'autre. 24. Ah de quoi ça De quoi non, je, crois, je crois pourquoi le, 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 sur le D ça a marqué 34 ah c'est c'est 3 plus 4 Excuse oui c'est 3 c'est plus 4 Et. ok je vais te demander de me faire un G un, un de panique alors un jet de panique euh, c'est 2D10 2D10 plus ton stress actuel donc, euh, donc 2D10 euh, c'est ça ici 2 ah. 2 plus, euh, plus, plus mon stress qui est 7. Voilà, et roll. 14. 14, ça fait okay. Tu, euh, ok. tu pars en panique. Tu pars en panique et tu, tu vas me lancer, euh, je vais le lancer moi-même, 2 euh, des 10. Durant les euh, 14 prochaines heures, euh, tu vas être victime d'hallucinations. C'est-à-dire que tu vas avoir des troubles pour distinguer, euh, faire la distinction entre la réalité et, euh, et le délire. Oh, ok. Fait que là, est-ce que je suis obligé de partir à courir ou ah, C'est toi qui vois. Il y a, il y a quand même, euh, il y a quand même un être humain qui vient de se faire euh, à moitié dévoré sous tes yeux hein, par par une force invisible. Ben, que fais-tu À l'endroit où est-ce que genre ça s'est fait genre croquer, je, je, je pointe mon mon canon laser et j'appuie sur la détente. Ok. Fais-moi un test de. Ah, Com... Fais-moi fais fais -moi un test de combat avec des avantages. Uh, laser cutter. Laser cutter. Ouais. Voilà. C'est un très raté. Euh, C'est raté. Ton tir, oui. en fait, frappe le sas. Oh merde. Et, euh, et fait un, un, un trou dans celui-ci. Fort heureusement, 26 de dommages. C'est un laser cutter. Hein. Ouais. Alors attends, le laser cutter, euh, juste pour être sûr, c'est. Euh, que, 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 que je le retrouve. Laser cutter, c'est 1d100 ou un mdng un d Ok. Donc euh, ça fait un trou dans le sas euh, intérieur. Okay, Donc okay. celui-ci n'est plus, euh, plus hermétique. Fou, on sortira ah, voir le. Ça, c'est vous qui voyez. Ah, mais là, il y a -il un vacuum? Non, il y, y a de l'air Il est la... Fermé de l'extérieur, ok. C'est. il est pas. C'est un sas. Donc, la première porte, oh ouais. celle qui mène vers, euh, vers vous, vers la station, est, euh, est percée. Ok, donc tu as tiré, euh, tu as fait ça, euh, tu, tu, tu as Morgan, lui, il, 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 il part en vrille complètement, il pousse, il pousse un cri devant euh, devant, devant ce qu'il vient de voir, euh, il tombe à genoux euh, en, en regardant le, la, la, moitié, le, la moitié de corps de son, euh, de son ancien ami. Euh, que fais-tu Vadim euh... Je pars à courir, à écrire je suis en train de je crier en, en russe puis à courir le plus que je peux avec, ma, avec mon euh, avec mon space suit. Ça. Ok, donc tu, tu cours, tu cours. Euh, le, le cri de Morgan cesse brusquement. Tandis que tu t'es tu sais, tu, tu retourné et tu as commencé à courir vers, vers le workspace, le cri de Morgane cesse brusquement dans une espèce de, 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 de gémissement, de douleur et de craquement d'os et de et de, de sang. Et, et, et tu commences à entendre derrière toi, euh, en fait, tu n'entends pas grand-chose, mis à part euh, eh bien les caisses qui volent à droite et à gauche. Euh, les, tu, les objets qui sont sur, euh, sur, sur le chemin. Et toi, n'oublie pas que tu es dans ta combinaison, donc courir. Mmh, comme c'est intéressant. Ah. Donc tu avances, en fait, tu, tu trottines comme tu peux, tandis que derrière toi, tu, tu sens que quelque chose s'approche. Bien, Lamar, tu es arrivé à l'intérieur du workspace, tu arrives à peu près à l'endroit où, euh, où c'est faite l'altercation al entre euh, Angel et Masaki, et tu trouves au sol euh, Dana et à côté. Euh, le corps de Kantaro. Je m'en fous. <laughs> je m'en fous éperdument. Je continue vers le magpie. Je les regarde, mais. Écoute, je, je les. On dirait que ça conforte mon. Ça conforte mon, euh, ça, ça conforte mon, euh, mon mouvement. <coughs> ok. Donc, tu cours en direction du, euh, du, du magpie. Euh... Ouais. Très bien, très bien, très bien, très bien. Euh, on va se tourner vers Mazaki et Angel. Mazaki, tu, euh, tu as atteint les quartiers. Euh, et si je ne m'abuse, tu te diriges vers, euh, vers les, euh, les douches, c'est ça Mazaki Oh, pardon, c'était à mon tour d'être mute. Euh, donc oui, euh, j'étais, euh, je, je fonce vers euh, les, euh, les, les, euh, les douches. Je pense que sur c'est ce, plutôt des, des douches genre douche cobule là c'est pas tout le monde a pas ça dans son quartier oui tout à fait c'est ça c'est euh, exactement ça et euh, du coup ce que je fais c'est que puis euh, j'ouvre toute l'eau à fond euh, et euh, en me mettant en dessous pour me nettoyer j'enlève j'essaie d'arracher ma combinaison etc parce que de toute façon je suis contaminé in and out euh, mais euh, j'essaie d'arracher ma combinaison et euh, j'écoute euh, pour l'arrivée d'Angel parce que euh, je veux absolument, quand il va arriver, euh, qu'il se retrouve arrosé par, par les douches. Donc je veux qu'il soit euh, ou je vais lui le, le, le pousser dans l'eau ou euh, orienter un des jets d'eau vers lui pour qu'il soit arrosé au passage. Alors, vu ta combinaison, pour faire ce que tu, ce que tu veux faire, il faudrait que tu, euh, que, 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 que tu fasses en sorte que ce soit de l'eau chaude qui, qui, qui génère euh, une espèce de buée ou je ne sais quoi. Avec oui. ta combinaison, tu serais protégé. Oui, effectivement. Puis je ne pas trop de l'eau chaude parce que je reste quand même un androïde. Oui, mais, mais bon, euh, ça, peut, le... ça peut abîmer tes, euh, comment ça appelle, ta... Euh, Ma peau synthétique. Ta peau synthétique. Ça peut te causer des dysfonctionnements quand même, la chaleur. Hein. Ah, ça, ouais. Voilà. Tu, es, okay. tu, tu sais, tu, tu, tu es une technologie bon. de haut niveau. Hein. Bon, bon bah, alors je vais garder, je ne l'arracherai pas, mais je vais frotter un maximum euh, ma, ma, ma combinaison pour en enlever le maximum, enlever tout ce que j'ai le plus, plus possible dans le, dans le visage. Garder de la vapeur pour effectivement gêner la visibilité d'Angel et puis pour le jeter dans l'eau pour bah, voir si. Il va, il va con, conformément. Comment il se passe oui? de quoi d'ailleurs avec ce liquide jaune Est-ce qu'il réagit à l'eau chaude Ah, ben bah, tout à fait, il réagit à l'eau, il, il se dissout, en fait il mousse et il se dissout dans l'eau. Ok. Euh, Allons-y pour, euh, pour Angel. Toi, tu, tu es arrivé dans les quartiers et euh, alors que tu, tu as. Tu, 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 tu hésites quelques secondes de savoir si, euh, si tu dois aller vers, euh, vers le mess ou euh, les douches. Tu entends les, euh, les jets d'eau euh, provenant des, euh, des douches. Que fais-tu Je me dirige vers les douches. Alors que tu arrives euh, vers celle-ci, tu remarques que euh, c'est de l'eau très chaude qui, euh, qui coule et il y a une espèce de, de buée de vapeur qui commence à, à s'élever euh, et il te semble entendre des, des bruits euh, euh, comme si de l'eau était agitée. Ok. Je me dirige euh, vers, euh, vers les bruits que, que je vois armes à arme la main et euh, j'essaie d'y aller. Euh, Tranquillement, puis à la minute que je vois quelqu'un, ben, j'ouvre le feu. Ok, donc là, ça va se jouer entre toi, Mazaki, et toi, Angel. Donc, Mazaki, très exactement au moment où Angel devient visible, que fais-tu Genre, il se présente à l'entrée des douches, là. Et euh... Es... Je... En fait, je sais ce que je vais faire. Je vais... Euh... En, en me baissant pour être un maximum parce que j'imagine que la vapeur n'est pas restée au sol, tu sais qu'elle commence à monter un peu là et donc en profitant de la vapeur je vais lui crier dessus tire pas, j'ai la solution, tire pas, je viens de trouver la solution et je vais le... aller le... un peu comme le plaquer, tu sais je veux le... me le serrer contre lui pour qu'il euh, puisse... Pour, pour qu puisse pas me viser avec son fusil tu sais comme son fusil est relativement long mais ben, je vais me mettre de manière à ce que le, le fusil soit derrière moi Sorte derrière moi là, donc tu, je serai tellement collé qu'il pourra, que même s'il tire, ben, ça okay. va passer derrière. Donc ça va être un test de speed contre speed, tout ça. Donc tous les Question. deux. En fait, oui. Est-ce que mon euh, entraînement militaire peut m'aider Ah c'est en combat ton entraînement militaire. Là okay. c'est à savoir qui réagit, euh, qui réagit le plus vite en fait. D'accord. Oula, oula. bon, manifestement, c'est euh, mazaki qui a le plus mauvais résultat. donc, ouais. euh, donc, euh, angel, euh, tu le vois qui se, se précipite sur toi, en fait. Euh, bon, je et, et euh, tu, tu, tu l'évites, mais en glissant, en fait, sur l'eau. Euh, okay. tu, tu te retrouves quasiment au sol, mais tu as l'opportunité de, de faire quelque chose. que fais-tu? j'envoie euh, je, euh, en encore une, une slave de... Je, je tire dessus. Je tire euh, Mazaki Ok, fais-moi un test de tir euh, de tir sur lui et, un, et un test d'armure pour euh, ce, ce cher euh, Mazaki On ne mais... sait pas ce qu'il a réussi encore. Attends, laisse-le échouer d'abord. <laughs> Question là, je, je, tantôt j'ai je pas remarqué, mais mon skill fire est-ce qu'il embarque hein, quand je tire de, avec mon arme euh, En théorie, oui. Il est déjà. Euh, je crois qu'il est déjà pris en compte. Hein. Okay. Euh, vas-y fais ton, fais ton test et on, on, on va voir les, les détails bon remarque que là je pense pas que ce soit <laughs> donc tu vas me faire un test d'armure euh... cher ami Hi. ouh c'est réussi <laughs> donc c'est à dire que tu évites son tir en fait euh, il, okay. peut -être, il y a peut-être quelques balles qui, 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 qui perforent ta, ta, ta combinaison mais, euh, mais tu évites son tir euh, les balles euh, les, 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 les balles frappent contre les tuyaux frappent contre les euh, contre, contre les murs tu as des jets de vapeur qui, euh, qui, qui sortent dans la pièce et qui commencent à, à tout embrumer euh, okay. que fais-tu euh, bah, Allez, je vais vous de demander un test de speed pour savoir qui commence en premier là, qui agit en premier. <sus>